Bon, moi, j'ai toujours pensé que l'ensemble des pays des Balkans avait vocation à intégrer l'Union européenne. Je l'ai toujours pensé parce que la meilleure façon d'obtenir la stabilité, la sécurité et la paix, c'est de donner une perspective d'intégration européenne à ces pays, que les choses soient claires, Serbie comprise. Nos constructeurs n'ont pas simplement des problèmes industriels, ils ont également des problèmes d'accès au crédit. Dans un pays comme la France, les deux tiers des véhicules achetés sont achetés à crédit. Et donc nous sommes bien obligés d'abonder également, comme nous l'avons fait pour les banques, les crédits mis à la disposition des sociétés de crédit. Il n'y a là rien, me semble-t-il, qui soit de nature à nous choquer. Je considère que l'Europe rentre dans une crise économique très grave et que ça serait une grande erreur de ne plus parler d'économie. Une grande erreur. Or, j'observe que les structures, on parle de l'économie, pour l'instant, n'existent que fort peu. Le Conseil ECOFIN parle avant tout budget et finances. La meilleure preuve, c'est que les États y sont représentés par leur ministre des Finances, et dans bien des États, dont l'Allemagne, le ministre des Finances n'est pas ministre de l'économie. L'Eurogroupe, j'étais l'un de ceux qui a participé à la création de la présidence de l'Eurogroupe des ministres des Finances, et j'étais d'ailleurs un de ceux qui ont soutenu Jean-Claude Juncker comme président. L'Eurogroupe, j'y ai participé, parle budget, parle finances, je le regrette, assez peu économie. Donc, il faudra, d'une manière ou d'une autre, alors à 27 peut-être d'ailleurs, mais que nous prenions l'habitude de parler d'économie, à partir du moment où nous sommes confrontés à une crise économique profonde. Qui peut penser que nous n'avons pas un besoin de coordination pour mettre en œuvre le projet d'économie sociale de marché? J'ai toujours été convaincu de l'idéal européen, mais je pense que c'est une folie, monsieur Quatremer, ne prenez pas mal, de vouloir construire l'Europe contre les nations et contre les États. C'est une folie. Ça ne marchera pas. La meilleure façon de détruire l'Europe serait de demander aux Européens de choisir entre leur pays et l'Europe. De la même façon que si on avait demandé aux pays européens de choisir entre la croissance et la défense de l'environnement, on n'aurait pas réussi. On n'aurait pas réussi. De la même façon qu'on ne demande pas de choisir entre ses parents. On doit additionner les deux. Wir müssen sehen, dass diese drei Institutionen im Gleichgewicht bleiben. Die Staaten müssen zusammenarbeiten. Und ich stimme Präsident Sarkozy zu, dass die großen Staaten eine besondere Verantwortung haben. Aber die großen Staaten dürfen auch Europa nicht dominieren. Und deswegen sind wir für das Gemeinschaftseuropa. Und wenn wir alle unsere Pflicht tun, dann wird es auch funktionieren. Denn diese Europäische Union ist die einzigartigste Gemeinschaft von Völkern, Staaten und Bürgern, die es in der Welt gibt. Ich habe es noch nie erlebt in meiner fast 30-jährigen Zugehörigkeit zum Europäischen Parlament, dass ein Gespräch aufgezeichnet worden ist. Wir sind weder konsultiert, geschweige denn informiert worden. Und die Gesprächswiedergabe war im Übrigen unvollständig. Und da ich die Sache nicht eskalieren lassen möchte, werde ich das weiter auch nicht kommentieren. Aber ein Gespräch abzuhören, ist in einer Demokratie absolut unüblich. Und die Gesprächswiedergabe war im Übrigen unvollständig und damit nicht korrekt.